sommes chez Didier Bédard, donc le spécialiste français, européen, sinon mondial du Wing Chun, pour l'élaboration d'un tableau particulièrement sur l'histoire du Wing Chun. Partie importante du festival, donc qui va retracer un petit peu de l'origine du Wing Chun jusqu'à Yip Man, trois siècles d'évolution d'une discipline avec des comédiens, des pratiquants d'arts martiaux. Pas mal de choses. Didier Bédard nous fait un petit peu de coaching des comédiens qui vont participer à ce tableau pour leur apprendre les formes très spécifiques du Wing Chun. Le tableau va se diviser en plusieurs parties qui se passent à différentes époques. Donc pour ça, nous avons un casting assez large et assez différent. Donc aujourd'hui particulièrement, Didier travaille avec Hélène Tran, donc qui est une comédienne cascadeuse qui fait donc des arts martiaux, qui a un excellent niveau donc en arts martiaux vietnamien mais sino-vietnamien, donc qui s'approche un petit peu du kung-fu, et donc qui elle va incarner la créatrice du Wing Chun qui s'appelait Wing Chun justement. Donc elle va travailler plus précisément à partir de sa base martiale pour la fondre dans le style Wing Chun, qui est quand même un style assez particulier. Avec elle aujourd'hui donc Pascale Bauderer, qui elle est une danseuse, une grande danseuse, donc qui a fait donc toute sa vie dans des compagnies internationales, et qui va incarner une saltimbanque à l'époque où justement le Wing Chun était interdit en Chine et donc était camouflé, les experts camouflaient leur art à travers une expression théâtrale. Aujourd'hui, je suis en train de préparer deux jolies filles à Bercy. Elles doivent faire le festival des arts martiaux de Bercy en février prochain. Et là, elles doivent faire un petit passage sur l'histoire du Wing Chun. Donc, je suis en train de leur apprendre à faire la forme traditionnelle du Wing Chun. Et la deuxième forme, elle est un tout petit peu plus compliquée que la première forme. Mais ça fait quoi, une petite heure qu'on est là, et les filles, elles se débrouillent plutôt bien. Je suis plutôt content de voir ce travail. J'ai l'impression qu'il y a une touche de danse derrière. Je dis ça parce qu'au niveau chorégraphique, elles apprennent beaucoup plus vite, c'est plus rapide au niveau du gestuel, au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation. Donc je suis assez content. On appelle ça le bras et les doigts, les épaules, elles ne montent pas. Le bras et les... Ça, il faut que ça fasse comme une aile. Pour dévier. Hein, une force. On commence toujours côté gauche. Donc, gauche, ramène les paumes vers toi. Voilà. Délimite bas, moyen et haute. Partie supérieure, former les points, ramener. Bien sûr, on va le styliser classiquement. Je vais vous le montrer, c'est plus ça. La deuxième forme est plus énergique, c'est plus... Hein. Et ramener toujours, ramener le contrôle ici. Tu vois, si tu fais ça, là on sent une dynamique, on sent quelque chose, d'accord ? 1, 2, et ramener. 1, 2, et insère. Le point au centre, rentrer le coude, coup de poing, et ramener. Rentrer les coudes, piquer. Préparation bonne. 3 et 1, 2, 3. En fait, je pratique les arts martiaux vietnamiens depuis l'âge de 3 ans. Et là, je découvre un nouvel art. C'est la première fois que je voyais la forme. Mine de rien, c'est vraiment compliqué à apprendre parce qu'il faut être dans la justesse, dans les gestes. Donc, c'est vraiment compliqué. Ouais. Alors, pour Bercy, j'apprends beaucoup parce que j'ai vraiment envie de donner tout ce que j'ai. Donc ouais, j'ai hâte d'y être, mais j'ai peur d'y être aussi en même temps parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi, j'ai envie de tout donner. Voilà. Ça, hein ? 1, 2, 3. 3.
fait. C'est la première fois que je touche à un mannequin de bois. Il y a plein de détails vraiment à attraper. Du coup, pour moi, c'est un peu difficile. Mais je pense que en le travaillant, il n'y aura pas de soucis. Et là, bien sûr, il va falloir que tu te positionnes. 1, 2, 3. Bouge pas. 4, D. Glisse. Et tu tranches. Comme je l'ai déjà dit, le festival fête bientôt ses 30 ans, donc c'est un événement incontournable tous les ans, le meilleur des arts martiaux. On a presque entre 300 et 400 participants, une vingtaine de pays qui sont représentés, des disciplines qui jusqu'ici n'ont jamais été représentées à Bercy, donc je pense que c'est l'événement à ne pas manquer quand on aime les arts martiaux. Et même pour le grand public, vu qu'il y a quand même des choses qui sont très accessibles, les arts martiaux se sont beaucoup démocratisés, donc maintenant, à travers le cinéma, on peut s'intéresser aux arts martiaux sans forcément les pratiquer, et Bercy est pour ça le meilleur vecteur pour découvrir ou apprécier les arts martiaux. Donc le 15 février, à ne pas manquer.